Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour un petit live sur RimWorld comme d'hab. Hop là, donc j'ai le retour. Ouais, voilà, désolé, je vérifie en même temps que le live était bien démarré. Et donc, on se retrouve pour le live sur RimWorld. Peut-être le dernier. Ouais, peut-être le dernier pour l'instant, jusqu'à la prochaine mise à jour. On va peut-être changer après de jeu, mais on verra ça dans la soirée. Et Ok, salut! tu sais quoi, j'allais te dire combien de temps Eh il va m'être arrivé. ben salut Atran, comme d'hab, t'es le premier arrivé, t'es là tout de suite dans les starting blocks. Et puis ben voilà. Avec mon oreille qui sort. Oh putain, 6 spectateurs directs. Poum, poum, poum. Ouais, à peine de démarrer. Alors, on va charger cette petite colonie. Et bah, c'est la colonie du live. Et on fonce. Et on fonce. Et je sais pas encore. Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Et toi? Et on fonce. On va essayer de créer quasiment la totalité du vaisseau. Peut-être de renvoyer quelqu'un aujourd'hui comment ça s'appelle? En caravane, pour voir un petit peu comment ça se passe de nouveau, et puis voilà. Mais je sais pas encore sur quoi je vais jouer jeudi. Peut-être Factorio, peut-être autre chose. Je suis pas trop encore décidé. Peut-être du Darkest Dungeon. Alors mon clavier doit pas. Voilà. Hop voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, j'étais en train de faire mes lits médicaux. Pense à lui filer des armes cette fois-ci, et cette fois au cas. À qui tu parles dans quoi? Dans le jeu? J'ai pas capté. J'ai pas capté à quoi tu fais allusion. Désolé. En termes d'image, on perd que dalle, c'est cool. Rinuk, qui était pas en très bon état. Qu'est-ce qui lui est arrivé déjà? Ah oui, bon, c'est bon. Il vient d'enclencher. Ah oui, désolé. Effectivement, il faudra que je lui mette des armes si jamais il se fait attaquer. J'ai eu la chance de la dernière fois qu'il se fasse pas attaquer. Effectivement, c'est important. En tout cas, bonjour à tous ceux qui parlent pas, parce qu'a priori, il y a pas mal de petits spectateurs qui sont passés. Alors, je sais que malheureusement, le jeu réactualise pas assez rapidement. Enfin, le jeu Twitch réactualise pas assez rapidement pour que je puisse bien voir. Mais bonjour en tout cas à tous ceux qui sont passés et qui ne parlent pas. Je ne vous oublie pas. Bon, ah, c'est bon, on te fout pas de ma gueule. Alors, vaisseau. Putain, j'ai pas assez de composants en fait. On va commencer par essayer de trouver un bras déjà pour l'autre. Donc on va demander à Célina d'appeler les gars de la montagne. On va leur demander de venir. Oui, j'étais en train de me dire, mais c'est un peu lent là. Mais c'est normal. Alors, demander, et on va lui demander de produits exotiques. On va bien voir. Bim. Et on va se déconnexionner. Ah, mais pour l'instant, Icebreaker, le truc, c'est que c'est aussi mon fabricant, quoi. Sans lui. Il est plutôt très doué, regarde. Icebreaker. En couture, tu vois. Sans lui, forge et couture, c'est pas cool, hein. Hop là. Il est où mon Coca. Tu peux me donner mon coca, mon cœur.
Merci. On sait où j'ai mangé ce soir. Hein. Alors. Putain, ça pousse bien la smoke leaf. Hein. Je vais pouvoir la vendre. Hein. Je vais faire du commerce. Ouais. Ah bon? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Avec les champignons qui poussent là. Putain de. En fait, j'ai une putain de colonie de toxico entre les champignons et les plantes. C'est bon quoi. Il est en train de faire quoi là? La raffinerie. Ah oui. Alors, l'établi de brassage. Make a wort. Je vais en faire jusqu'à en avoir 10. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Parfait. Il est venu finir de construire ça. Je vais pouvoir continuer. Mes pièges. Et on va sécurité. On va mettre en bloc de bois de toute façon. Parce que. Hop là. Et on va faire des petites passerelles de 8 à chaque fois. Hop là. Voilà, comme ça ils prennent bien cher. Hop là. Ça, je m'en fous de toute façon, c'est en bois. J'en ai 3 tonnes du bois, j'en ai 7000, je crois. Je suis plus à ça près. Voilà. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça, hein. N'empêche. Pourquoi à McDo on fait des repas de gros? Je comprends pas. Hein. Je comprends vraiment pas. J'ai pris une salade. Putain, ça paraissait vraiment pas vrai. Alors, établi d'assemblage des composants, qu'est-ce qu'il faut? Établi d'assemblage, aptitude trop basse. Von Shield. Von Shield. Je crois que non, toi t'as la compétence qu'il faut. Non. Alors est-ce que c'est Ninja Bibi? Écoute, je peux demander. Ouais, non, mais c'est vrai. Oh, la bouteille d'eau, par contre, des fois. Enfin, à McDo, quand je vais à McDo, je prends très 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 souvent les bouteilles d'eau. Mais ça s'explique parce que je supporte pas trop le sucre. Je me sens pas bien si j'exagère dans le sucre. Donc j'évite ces derniers temps. Enfin, j'en bois que très très rarement. Un coca, je fais peut-être ça 2 fois par mois, quoi. Enfin, une fois tous les 2 mois plutôt dans ce sens. Ça fait combien de composants quand il les a finis? Putain, ça en fait qu'un. Il en a besoin de combien? 25 d'acier pour faire un composant. C'est abusé. Ah, t'es le genre de gars, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ah, mais j'aime bien le goût du coca de temps en temps. Sans exagération, bien sûr, mais. Ouais.
Par contre, clairement, je commence à en avoir un peu trop. Putain, 3 saisons en plus. Ouais, donc je vais la supprimer. Hop là, cette ère-là. Commerçant de la vie des montagnes. Hop là, on va demander à Célina d'aller commercer. Faut que je les empêche de passer par là. Non mais oh. Zone. Ouais mais ça va être reconstruit 30 000 fois. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Prothèse de bras. Eh hey, mais c'est pas une jambe bionique, c'est pas un bras bionique. Moi, je veux un bras bionique. Ah oh, oui, non, en plus c'est moi qui le vends. Oh, le chier. Ah, fais chier. Je vais vendre les smoke leaf. Hop là, c'est bien ça. Je vais vendre le plastacier aussi. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais leur acheter? Moi qui croyais qu'ils allaient venir. Ah, ça fait chier! Je me serais bien vu avec des griffes, pas des griffes, des jambes, des bras bioniques là. J'aimerais vraiment lui mettre un bras bionique. Bon, j'ai vraiment beaucoup de plastacier, donc je vais leur vendre du plastacier. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que je peux déjà étendre, non, supprimer de la base? Est-ce que je peux supprimer cette zone-là? Hop là. Même si je sais que fatalement ils vont essayer de me la remettre toutes les 2 secondes. Voilà. Putain de bestiole qui va bouffer. Bob Malope mort depuis 15 ans, quoi. Arrêtez les gars, arrêtez. Voilà. Oh bah alors ce soir, c'est pas très motivé les gens. D'habitude, j'ai 15 000 personnes dès le début là. Qui s'y foutent là, Ninja Bibi, Crâne. Oh non mais c'est quoi ces gens qui ont une vie? Hop là. Bon, il y a Ninja Bibi qui fait à bouffer. C'est cool.
vraiment trop late en composant. Ça me fout vraiment les boules. Plastacier, plastacier, plastacier. Fait chier. C'était où quoi? Merde, ils disent plus ce qu'il y a. C'est con qu'on puisse pas savoir ce qu'il y a avant même. Ouais, bon, de toute façon, faut que je démolisse. Faut que je démolisse. Faut que j'aille creuser. Bulle de copie. Voilà. Voilà. Bon, ils sont en train de bien construire ici. Je vais pouvoir déplacer les lits. Au niveau des recherches, bah, il va falloir que je fasse les recherches des vaisseaux, hein. Jarmund, est-ce que tu sais faire ça? Non. Alors en construction, qui c'est qui est en construction? Von Shield, Alva, Alva, Von Shield, Crane, Selina, ah, Anatoly. Selina, est-ce qu'elle est réveillée? Non. J'ai que Von Shield qui est réveillée. Démanteler la drill. Hop là, démonter la drill, combien il y a de composants, ok. Démonter la drill. Bim. Ouais, ça c'est cool. Ça avance bien au moins. Faut que j'essaie de voir si sur la chose qui me permet de faire comment ça s'appelle tout mon détourage là sur le live, si je peux avoir le moyen, enfin si je peux avoir le truc qui me permet de voir le nombre de spectateurs en temps réel qu'il y a sur le live, parce qu'il est vraiment trop buggé le truc sur comment ça s'appelle sur Twitch. J'arrive vraiment pas à voir en temps réel qui c'est qu'il y a, combien de personnes il y a. Et c'est bien dommage. J'ai même pas regardé ce soir s'il y a quelqu'un d'autre qui live sur RimWorld. C'est un gros Twitcher, quoi. T'as vu quoi? Hop là, prioriser. Funshield, prioriser. Hop, 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 Célina, reste là. Tu me démontes ça aussi. Voilà. Et maintenant. Bloc de pierre, bloc d'ardoise, bloc d'ardoise. Ok, on n'est pas grand monde. Ma femme vient d'aller voir. Bim. Je suis trop tenté de faire le con dans l'écran. Ça servait à rien. C'était complètement inutile! Ça, c'est parfait. J'ai ma belle salle de cinéma que personne n'utilise. Ah! Tempête pluvieuse. Ah, éruption solaire. Allez! Bim! C'est la fête à la saucisse! Grunt. Je kiffe Grunt. Ouais, j'ai une éolienne hors service. Bon, après, de toute façon, je suis en éruption solaire là, donc de toute façon, même si elle fonctionne, elle sert à rien. Hop là! Ouais, de toute façon, j'ai rien dans l'électrique qui fonctionne. Windshield, tu fais quoi?
Loisirs. On va mettre une bonne vague de loisirs pour tout le monde là. Et travail. Hop là. Hop là. Tout le monde travaille 5 heures avant, 5 heures après. Voilà. Bim. Temps libre. L'éolienne vient d'être réparée. Crise de démence. Ah putain, Alva, il s'est défoncé à la bœuf, quoi. L'éruption stellaire, je vais dire. L'éruption solaire, c'est terminé. Célina, on va aller appeler. Demander une caravane marchande. Je vais leur demander les vendeurs de produits exotiques. Bim. Ils sont mis tranquilles encore. Hein. Ça fume. C'est pas sérieux tout ça. Pourquoi je me suis mis à leur faire ça, quoi. On va annuler. On va annuler. Il faut que je les branche à 18%. Est-ce qu'elle est branchée celle-là? Énergie. Non. Elle est pas reliée. Elle est pas reliée. Alors déjà on va la rallumer. Bim. Pourtant c'est les vacances, je devrais avoir plus de monde. Ah, quoique, peut-être que les gamins ils regardent pas ce genre de choses. Les gamins! Les enfants. Alors, tâche. Make chem fuel for wood from organic. Ok. Ah, ruiné par la température. Merde. On va la rallumer et on va la mettre à 23 degrés. Et du coup, on va déplacer tout ça. Putain, merde, je savais pas que ça avait besoin de se mettre bien, ça. Je vais me faire ma petite cave comme il se doit. Voilà. Voilà. C'est de l'acier à 9%. Je crois que je décale. Là, elle va. Tu t'es défoncé, c'est le cas de le dire. Atran, tu fais quoi toi du coup là de ton côté? Tu joues à quelque chose ou... S'il faut, t'es même plus là. Et je suis tout seul. Non, bon, il y avait ma femme quand même.
Ah, tu es sur Total War. Lequel de Total War? Ah, t'es sur le MMO FF14? Ah, je vais peut-être pas le faire assez grand. Je vais réduire, je crois. Supprimer un peu de zone. Shogun, Rome et le Warhammer. Ah, Warhammer. J'aime beaucoup Warhammer de base. Mais après, j'ai pas trop testé les Total War Warhammer. Peut-être qu'il faudrait que je m'amuse, mais bon, les parties sont plutôt longues. Longue. Par contre, moi, où j'ai passé beaucoup de temps, c'est sur le MMO de Warhammer. J'y ai joué pendant bien 2 ans et après, bon, c'était un peu malheureusement pas super super bien. Et après, là, j'aime beaucoup jouer à Blood Bowl. Je sais que c'est pas exactement la même chose, mais je joue beaucoup à Blood Bowl 2. J'aime beaucoup d'ailleurs. Panneau solaire, ouais, casse-burne. Venchi pris au piège encore, putain. Oh, mais les gars. Oui. On est beaucoup aussi RPG manga, enfin de toute façon tout ce qui touche à la culture jeu vidéo ludique aujourd'hui, on aime beaucoup ça. Fait chier. Panneau de contrôle qui vient de planter. Putain de merde. Crâne, tu peux le réparer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Putain, j'ai plus de composants! Comment? Crâne. Jarmund. Non. Icebreaker. Même pas. Qui c'est qui peut? Turquie, je crois. Construction. Célina, Vanshield Alva, Crâne. Bah si, pourquoi Crâne il peut pas? Ah putain, un petit tu trop faible. Faut avoir combien? Travailleur Ninja Bibi. T'es où? Ninja! Et tu lis quoi comme manga pour l'instant? Célina. Ah, elle le répare tout seul. Cool, Célina, merci. Et Célina, appeler le village des montagnes. Pourtant, ok. Les connexions, Célina. Ok. Faction. Ah d'accord. J'ai plus que Babar. D'accord. Je suis plus beaucoup aimé. Hop là. Et grossiste.
Je connais pas Uberblatt. Je connais pas Uberblatt. Après GTO bien sûr, Bleach, Bleach j'ai un peu bon, enfin. Ouais bon, c'est normal les donjons de Hellebuck. Anatolie! Qu'est-ce que tu fous, putain? Ah! Bim! Célina. Commercé. Ah, faudrait que je me le note. Uberblatt. Faudrait que je me note Uberblatt et que je regarde un peu ce que ça donne. Oh, 20. Oui, ça c'est bon ça. Ils peuvent me vendre une jambe bionique aussi. C'est bien aussi. Je vais les prendre, comme ça j'aurai deux jambes, possibilité de deux jambes bioniques. Neurotrainer, un appareil neurotechnique. Non, ça je veux pas utiliser. On va contrebalancer avec la vente de 800, ça devrait suffire. Ah non, c'est trop. Avec la vente de 600 de plastacier, 700. Ouais, on va voir si je peux acheter autre chose. Ah, notre donjon de Nalbuck, ils ont fait plein de choses. Ils vont faire un jeu? Je sais pas qu'ils vont faire un jeu sur Donjon de Nullbeck. Putain, j'ai plein de gens malades, quoi. J'y crois pas, ils sont refilés un verre intestinal. Qu'est-ce qu'ils ont bouffé encore tous là? Putain, niveau de faim x20, quoi. Je suis vraiment une équipe de bras cassés, c'est le cas de le dire. Turquet. Ah. Abusé, j'ai aucune chance quoi. Hop là. Panne de climatiseur, super. Qu'est-ce qu'il fait lui? Transport de bois. Ok, ouais. Par contre, tâche. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Icebreaker? Non. Travail, Icebreaker, t'es où? Tu lâches le transport, tu vas forger un max. Bim! Hop là, j'ai jeté un petit coup d'œil en même temps, pendant que ça tourne. Donjon de Nullbuck, un rêve tactique complètement déjanté à la Gamescom. Et ils l'ont présenté à la Gamescom. Ok. À l'origine, c'est plutôt une parodie de gens qui sont amusés à se taper un délire sur des parties de jeux de rôle papier qui partiraient en cacahuète, quoi. Et du coup, bah, ça a plutôt bien marché. C'est parti sur du grand n'importe quoi. Merde, il s'est passé quoi? Oh, One Shield. Et qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ils sont battus ou quoi?
Social et une bonne discussion avec Icebreaker. Ok. S'est fait insulter par Emma. Et donc du coup a insulté Ryuk. Ok. Et Turquet. Bon, il y en a que je sais pas pourquoi. Ils ont pris cher. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Du coup, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, bagarre collective. D'accord. Super. Y en a deux, ils ont commencé à se frapper et les deux autres, ils ont plongé dans la baston, quoi. Ah! Touche pas mon pote! Putain, affection. Poignardé, quoi. Ah oui, mais. D'accord. Donc déjà, tu quittes pas le lit. Et tu vas aller dans celui-là. Elias, tu viens soigner un autre lit. Pourtant, il y en a de la weed normalement. Ils en ont la beuh là, ils ont tout ce qu'il faut normalement pour se mettre bien. Attends, c'est légalisé dans certains endroits. Allez. Oh putain! Ils sont où? Ils sont où? Ouais, à table en plus. Après, ils se réinstallent, ils mangent ensemble. Oh putain, Rinu, il a vomi dehors, quoi. Oh, mais les gars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Célina, elle vient de faire une infection aussi. Ah non, mais. T'es arrivé. Se reposer jusqu'à guérison totale. Von Schild. Oh, il est incapable de marcher. Oh, mais les gars! Alias. Secourir. Ah, attends, attends. Ah non, carrément, toi t'es sauvé complet, t'as rien en fait. Ok. Alors, Liaz, tu vas soigner Célina. Ah oui, il y a une capsule cargo. C'est quoi? Un bloc d'ardoise, c'est parfait. Bon, normalement, je vais commencer à récupérer beaucoup de ressources de. Ouais, d'acier, c'est parfait. Emma est en train de faire de l'or aussi, bien comme il faut. Et là, il n'y a plus rien, donc je vais demander à Von Schild, hop là, de démanteler. Alors. Alvin qui en a encore trop pris. Infection mineure 24%, ok. Donc ça va. Ça va, ça va. Alors, en termes de vaisseau. Pourquoi
Qu'est-ce qui lui arrive à Windshield? Juste parce que sa chambre est non impressionnante. C'est quoi ta chambre, Windshield? Windshield. En même temps, si tu mettais pas du sang de partout, ce serait peut-être mieux, hein, non? Foiré. Qui c'est qui fait du nettoyage là? Tiens, je vais faire nettoyer Icebreaker. Qui servait à un truc, un petit peu. Voilà, intéressant tout de suite. Les capsules cargo se rendent sur les lieux. Voilà. De la bouffe gratos. Bon alors. Là, j'ai tout construit normalement. Risque de démange majeur. Faites chier les gars. Putain, vraiment trop de malades. Prochain générateur, je peux le mettre où? Où est-ce qu'il y a? Il y en a un là. Voilà. Mon chat qui éternue, quoi. Bah ouais, pourtant j'ai pas mis le. Enfin attends, moi que je dise des conneries. Richesse. Je suis quand même salement riche, hein. Attends, j'ai mis quoi comme. Oh. Ah oui, non, c'est pas. Suis trompé de bouton. J'ai fait le monde. Voilà. Je sais plus où c'est que je peux le voir ça. Pourtant, je suis en jeu libre. Je sais pas. Alors, je suis amphibie, les Mickaël. En jeu libre. Mais jeu libre, je crois que c'est pas le plus facile normalement. Je sais pas. Ah, ils ont peur de moi, c'est parce que je suis trop puissant. C'en est où? Ah, ça sert plus à rien. Donc démolir. Démolir et on vend bulle de copie ici quand même. Je veux le voir. Alors, Von Shield. Putain, il est encore occupé à errer comme un abruti. Je crois qu'Emma, elle peut faire. Oui. Commerçant. C'est qui mon deuxième meilleur? Célina ou Liaz pour du commerce.
Bon, ils sont pas grand chose. Mais bon, je rachète au moins ça. Je vais tout leur revendre là-dessus. La jade. Ouais. Mais bim. Allez, on récupère ça. Je m'enfonce dans la chaise. Qu'est-ce qui se passe? Un prêt là, bim. Super. Do. Une chef s'est laissée apprivoiser quoi. Ah, vaisseau commercial. Liaz. Ok. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup d'animaux? Ok. Plat esquillé, plat élaboré. Ok. Et composants. Je peux encore en acheter, ça c'est cool. Hop là. Putain, ils en ont. Après, plus grand chose. Bah, je vais leur vendre quoi? Pas le plastacier. Est-ce que je peux leur vendre de la bouffe? Est-ce qu'ils sont intéressés par de la bouffe? Non, pas plus que ça. Par contre, ça. Ça, je peux en revendre, je pense. Moins. Bim. Je vais faire moins 2000. J'en ai largement assez. Ça permet de faire du commerce. Je me mets bien. Et je vais vendre tous les cuirs. Bim. Je garde l'hyperfrive, le synthé. C'est bien ça. Ça c'est cool. Au niveau des animaux, je garde. Ouais, bim. Allez, je vends, je me fais plaisir. T'as pas vu, en fait, regarde. J'ai du plastacier plein là. Tout ça, c'est du plastacier, si je dis pas de conneries. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est du plastacier. Donc là, il y a un truc comme facilement 2 ou 3 000 de plastacier. Je sais pas ce que c'est là. Là, il y en a un, c'est de l'acier, l'autre, c'est du plastacier. Là, c'est aussi du plastacier. En fait, j'ai une map en sous-sol. J'ai que du plastacier. Donc, je suis vraiment trop bien, quoi, en fait, en termes de ressources. Là, c'est de l'or. Là, c'est de l'acier, je crois, par contre. Petit Von Shield. Hop là. Ouais. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah ouais, non, non, je peux. Je suis tranquille, easy, quoi. Ça, c'est quoi? C'est de la calcite. Ah oui, non, j'en ai assez. Pourquoi il construit pas? Bon, par contre, j'aimerais savoir pourquoi ils sont pas heureux. Dans le noir, t'es où? Crâne, t'es où? T'es en extérieur. Putain, fais chier. Lias, t'es en forme. D'accord, parce que t'as fumé. Ok, Ninja Bibi dans le noir, souffre légèrement. Ok, Icebreaker. Célina, pas contente parce qu'elle a mangé sans table, souffre légèrement et déprimée en termes de joie, malade et se sent terriblement mal. Effectivement, c'est pas cool. Alvagouin, a mangé sans table et tired, je crois que ça s'est fatigué. Genre manger sans table quoi, enfin, c'est pas grave. Von Schill. Il mange pas du tout. Von Schill. T'as envie d'aller dormir, c'est ça? Alors par contre, je vais faire un truc. Je vais faire un truc joli. Alors, sol. Qu'est-ce que j'ai en dalle? J'ai dalle d'ardoise. Je vais faire un truc sympa là. Bim. 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 Voilà. Voilà. Nickel. Alors, faut bien que je fasse. Oui, c'est parfait. Voilà. Parfait là aussi. Comme ça, on descend bien droit. Et on va faire un truc propre comme ça. Bon, pour l'instant, je peux pas aller plus loin. Et là, on fait ça comme ça. Voilà. Et là, on peut pas modifier. Ça marche pas. Voilà, ça fera un peu plus joli déjà. Ça fera même beaucoup plus joli. Mais lol. Qu'est-ce que Célina faisait dans le lit de... Hop, 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 c'est quoi ce bordel? Ok. Ouais. J'avais l'impression qu'il était dans le lit de Jarmund, Céline. Regarde la télévision. Very confortable. Spacious intérieur. Luxuriant lit confortable. Spacieux. Oh, il est heureux, c'est bon quoi. Ah, il s'est refait en un coup quoi. Caravane marchande, ouais. Ok. Et l'import colonie s'est barré aussi. Bah, si jamais elle sort avec quelqu'un dans le jeu, de base, je lui mets ton nom. Je peux pas faire mieux. Bon, à part s'il sort avec quelqu'un déjà nommé. Je peux pas le piquer. Mais voilà. C'est roulette russe pour toi. C'est le premier avec qui elle sort, c'est ton perso. Je peux pas faire mieux. Non. Atran n'a toujours pas de perso.
Alors, c'est quoi là? Du plastacier. Ouais, je vais essayer de le faire mon cœur rapidement. De toute façon, je vais nous mettre une étagère là pour mettre le troisième écran et qu'on ait des étagères au-dessus des écrans. Faudrait que je prenne une photo de mon installation et que je la poste sur Facebook. Bon, il y a la première chambre de fête. Donc, on va y déplacer le lit. Hop là. Et dans celle-là de chambre, parce que j'ai plus pas ce qu'il faut, je vais mettre le monitoring de ce côté et le lampadaire bleu, parce que je trouve que ça fait plus classe une chambre en bleu quand c'est pour ça. Et mal en train de bien creuser. Ouais, parfait. C'est une très bonne idée sur les surfaces planes. Quand on arrive sur ce genre de choses, qu'on puisse quand même. Ils sont cons, hein. Je leur fais des routes. Et non, faut qu'ils utilisent tous sauf la route que j'ai faite. Ils sont cons. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, du coup, j'avais éteint mon cerveau avait éteint ma bouche. Je me pose une question, comment ça se fait qu'elle fonctionne? Elles sont en train de dégommer l'énergie, non? A priori non. Hop là. On va pouvoir éteindre ça pour être tranquille. Un colon a besoin de ça. Pourquoi? Je peux rien faire contre tes vers intestinaux. Bon alors, je vais regarder un petit peu si quelqu'un a un problème avec une jambe. Nez détruit. Déchiré. Ouais, je sais qu'elle va quoi, je dois lui changer son... Mâchoire. Œil droit coupé, nez... Estomac, estomac, estomac. Von Schill, faut que j'aimerais bien. Non, pas Von Schill. Alvagoin, j'aimerais bien lui opérer son nez. Sa mâchoire. J'aimerais bien lui repousser une nouvelle dentition. Ice, son problème, c'est tout. Non, il a aucun problème, Ice. Il a aucun putain de fucking problème, quoi. À part qu'il porte la veste d'un homme mort. Dead man's veste renforcée. Donc en gros, c'est ce que je comprends. C'est la veste renforcée d'un homme mort. Après, est-ce que je peux lui changer sa veste? Ah, c'est ça. Voilà, s'il faut, maintenant, il sera moins... C'est ça. Putain, il est heureux maintenant. Ah non, mais attends, la dernière fois que j'ai essayé, il est mort instant. Alors attends. Opération, ajouter une tâche. J'ai dit récolter un rein. Non, non. Nouvelle dentition, mâchoire. Hop là. On va l'envoyer là.
Et c'est qui mon meilleur soigneur? C'est Célina, du coup. Très proche de Liaz, mais là c'est Célina qui est plus forte en soins. Donc c'est Célina qui va s'occuper d'opérer avec son aide d'druide. Alors prioriser opération d'Alva et on va faire une save. Hop là. Et go. Allez. Est-ce que ça va marcher? On voit pas trop où ça en est. Non mais attends, je me suis trompé. Attends. Oh putain, c'est Rinuc. Ah, pourquoi j'avais voulu opérer J'ai voulu l'opérer, mais je suis con. Lui, c'est bras gauche. Bras. Je peux pas poser. Non, c'est Rinuc, putain, mais je suis con. Allez, Célina, reste là. Bim. Je suis un abruti, quoi. Alors. Elle a réussi? Classe! Voilà, elle a réussi. Bim! Crâne rien, Liaz, juste une cicatrice de brûlure. On peut pas lui poser à Ninja Bibi un doigt? Elle a géré Célina, donc c'est bon. Rinuc, une nouvelle mâchoire, il va pouvoir de nouveau manger. Alors, en fait, j'ai failli faire une grosse boulette médicale, quoi. Opérer. Opérer Alva parce que, voilà, j'avais envie. J'aimais pas ses dents, alors je lui ai reposé une mâchoire. Enfin, une nouvelle dentition, quoi. J'ai de nouveau de l'ardoise, donc. Sol, dalle d'ardoise, hop là. Voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas si ça fait joli, moi j'aime bien. Allez, bim. Ah, là, il n'y a plus rien. On démolit et on demande à Von Shield de prioriser le démantèlement. Allez, bientôt fini de nettoyer ça.
Tiens, dis-moi, Atran, est-ce que tu penses que c'est mieux que je monte un petit peu le son de RimWorld pour toi? Enfin, pour moi, ça me changera rien. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux d'entendre un petit peu plus le son de... Faut que je remonte un petit peu d'électricité. Alors attends, je vais aller remonter un peu ça. Tu me diras ce que t'en penses? Alors. Hop là. Là j'ai dû bien l'augmenter, donc juste dis-moi si ça passe, parce que du coup c'est vrai que je fais pas trop gaffe. Enfin je fais pas trop gaffe, je peux pas trop le savoir en fait. J'ai pas un retour direct. Bah mets le chauffage mon petit cul. C'est pas mal, mais assez léger. Ok. Alors regarde, j'augmente un tout petit peu plus. Plop, hop, 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 hop. Torqué, pourquoi il y est encore? Santé. Pour les vers intestinaux. Tu viens? Et j'ai un pixel. Non, t'as pas envie. Allez! Mais je suis mal, c'est mon pied. Ah, mais regarde, il est derrière toi. Eh, viens là, chat. Petit chat! Ouh, regarde, dis bonjour. Non. Petit chat. Je suis pas content. Je suis pas con, il s'est cassé la gueule. Il avait vraiment pas envie. Avec sa petite goutte d'eau là sur le pied. Mon petit pixel. Mais t'es vraiment pas doué, hein. Oh, putain, j'y crois pas. C'était le petit moment kawaii avec un chat. Ah, il m'a mis des poils partout. Hop Non, là. limite, c'est toi qui l'as emmerdé pour qu'il vienne. Tu t'es mis tout seul. Vas-y, moi j'ai rien besoin Il de y a toi. beaucoup. Il y a beaucoup trop d'arbres. Couper du bois. Je veux plus d'arbres. Putain, j'ai laissé pousser. Laisse tomber, quoi. Ah, c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est pour ça qu'on l'a pris. On l'a récupéré à la SPA. Il y avait 9 mois. On va dégager un peu d'arbres là parce que c'est un peu trop le bordel.
Bientôt 4 ans. Ouais, il doit avoir 4 ans plutôt. Pareil, pareil à la SPA. Un Non, croque-mout. j'ai mal quand on dit adopter. Et un blackos. Inanition. Ouais, mais en même temps, c'est ceux qui ont des vers. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est leur nom? Hop là, on met ça là, on met bulle de copie ici et on met réinstaller là. Ah, une association. Ouais, bon, si c'est une association quoi, qui récupère aussi des animaux abandonnés ou c'est vraiment une association qui s'occupe de ce genre de choses? Ça fait longtemps que je suis pas allé voir mes animaux. Oh bah. Ok, tout nickel. Tout. Qu'est-ce qui se passait? Capsule cargo. Hop là. Ok, d'accord. Alpaca. Oh, peut non le restreindre lui. Ouais, ah, je sais pas que ça puisse exister des associations de ce style-là en fait. Qu'est-ce qu'il a? Il l'a jamais vu. Bon, de toute façon, je sais pas comment ça fonctionne ça, donc je peux le désactiver. Ça, j'en ai pas l'utilité non plus. Oh, la malaria! Ninja Bibi. Et c'est qui la deuxième à avoir la malaria? Jabibi et Turquet. Les patounes du cœur. Ok. Les patounes du cœur sur Montpellier. C'est bien ça. Je vais faire une petite pause. Je pense que je vais me faire une petite pause de sandwich, du coup. Je vais couper 2 secondes le micro.
Ouais, je coupe 2 secondes le temps de manger. La caméra est... Eh, merde. La caméra et le micro.
Hop là! Et salut Icebreaker! Bah t'arrives au bon moment. People comme Von Schild pète un câble et décide de buter des gens. Super. Là là. Bon. Alors, je suis obligé de taper. Bon, Icebreaker. Hop là. Putain, mais allez, dégomme-le. Voilà. Secourir Venshield. Se reposer. Liaz, secourir. Oui, c'est Pixel qui s'appelle le chat. Le chat s'appelle Pixel. Oui. Donc, Icebreaker te dit coucou, me dit coucou. Enfin, non, me dit coucou, te dit coucou au chat. Coucou le chat. T'as raté depuis de pas longtemps, en fait. Tout à l'heure, je me suis amusé, je l'ai mis devant. Il était pas content. Il s'est vite barré quand je l'ai lâché. Mais voilà. Non, tu vas pas venir pour que je te fasse des câlins. Mais t'as envie de jouer. Icebreaker est totalement guéri. Ah, au fait, Icebreaker, je me suis aperçu que tu portais en fait depuis un petit moment la veste d'un homme mort. Et du coup, bah, t'étais pas content. Et c'est peut-être pour ça que souvent tu faisais des petites crises de démence et que tu partais à foutre le feu. D'ailleurs, pourquoi Von Schild ça a pété un câble? Von Schild, elle est où ta... Mais elle est pas médiocre. Ah, certes, elle est pas monstrueuse, mais s'il te plaît, quoi. Oh, j'ai quoi en tissu? J'ai du tissu basique, donc on va lui faire un fauteuil en tissu, qu'il soit content. Voilà. Il y a besoin encore. Ah, ouais, si, il y a encore besoin. Ok. Qu'est-ce qui leur arrive là? Ouais. Pourquoi t'as pas voulu venir? J'espère que t'avais une bonne raison. C'est pas assez grand. Ils sont trop moches. Faut que je le déplace en fait. Je
Je vais démolir ça. Putain. Alors, c'est pas que j'ai vu. J'ai été trop absorbé par un code que j'essaie de faire depuis hier. C'est un code de quoi? Le chat qui... alors. Structure, ça c'est en quoi? Mur de marbre. Build copy. Bim. 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 Oven shield. Prioriser le démantèlement. C'est pour un jeu, c'est du lueur. C'est que t'essayes de faire quoi, un mode ou tu veux fabriquer un jeu? Hey, ils sont en train de les mettre en place alors? Ah ouais. Moi, je suis pas assez bon, je vais pas pouvoir t'aider. Je m'enfonce dans ma chaise encore. Repop. Vunch Turquet. Ah, bon. Par contre, santé. Oh putain, merde. Turquet, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Quelqu'un d'autre avait la malaria, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. T'es où? Ouais, c'est Ninja Bibi. Et c'est pour quel jeu que tu veux faire? Enfin, c'est... Oh merde. Non, non, t'es toujours pas mort. Et tu t'es bien tenu en fait. Pour l'instant, tu décides pas de foutre le bordel, donc... Ça se passe bien, en fait. D'accord. Pour Minecraft. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Faudrait que je m'y remette un peu. Build, copie, bim. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Température. Ventilation. D'accord.
Okidoki. Je vois un petit peu de quoi tu parles. Alpha Castor, super. Ah, c'est souvent ça. C'est totalement malheureusement souvent ça, quoi. Shield. Hop là. Parfait. Ouais. Va faire quoi? Consomme plat simple. Démolir, démolir et démolir. Prioriser le démantèlement. Hop là. Aussi on démolit. Allez, démolit. Capsule cargo. Kibble. Sais pas trop ce que ça sert. Je crois que c'est pour la bouffe pour les animaux. Hop là. Démolir, démolir et démolir. Et on va pouvoir mettre un sol stérile. Voilà. Parfait. Bon, du coup, j'étais en train de réfléchir au prochain jeu que je ferai en live. Si je partirais plutôt sur du Factorio. Ouais, peut-être du Factorio. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Après Minecraft, le problème c'est que ça bouge quand même pas mal. Et donc, du coup, comme ça bouge pas mal, ça risque de me poser des problèmes. Ça, je peux dégager pour l'instant. Je peux l'éteindre. Icebreaker, t'as le même problème que moi? Moi, je suis sur une chaise en bois hein, depuis un mois et demi à peu près. Je risque de pas rester jusqu'à minuit ce soir par contre, Icebreaker. Je suis un petit peu fatigué, demain je commence tôt et en plus, je sais pas si c'est lié aux vacances, mais il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, c'est possible que je reste pas énormément. Une petite possibilité.
Ouais, ben bonne nuit à toi aussi si jamais tu es pas là quand je m'arrête. Donc ça se passe plutôt bien en termes de composants, mais ça se passe pas super. Il me faudrait au moins une ou deux personnes en fait de plus. Je suis en train de me demander si je vais pas appeler les esclaves. 1, 2. Si je vais pas faire une demande d'esclaves. Célina, appeler le village Mountain. Alors déjà, une caravane marchande. Je vais lui demander vendeur de produits exotiques. Et Célina appelle les barbares. Bah les babares. Et en fait, eux, ils ont des vendeurs d'esclaves. Slaver. Voilà. Faudrait peut-être un peu plus de monde. Alors, par contre, en termes. J'avais Ninja Bibi qui avait la malaria. Immunité développée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je sais plus si c'était Turquet. Non, ça, c'est des vers intestinaux. Vers intestinaux. C'est qui avait vers intestinaux? Oh, l'autre qui avait la malaria, il est déjà complètement soigné. C'est toi, hein. Non, les vers intestinaux, j'en ai eu 4 autres qui en ont eu. Toi, t'en as plus. Depuis un petit moment. Loisirs. Et bim. Event Shield vient prioriser le démantèlement. Voilà. Sol, carré stérile et loisir. Télé. Bim. Télé. Rien. Démolir. Windshield, il fait quoi? Prends un place simple, ok. Transporte acier. D'abord tu fais ça. Et après tu feras le reste. Il va se mettre à la cool dans la salle de télé. Du coup, je vais déplacer. Hop là. Réinstaller. Ah mais putain, c'est pas des lits médicales, je suis con. Hop là. Ah, je fais le boulet. Ouais.
Elles sont vraiment dégueulasses, ces chambres. Bon, par contre, de salle, en termes de salé. Réinstaller ici. Réinstaller. Je peux pas le faire pour l'instant. Réinstaller ici. Voilà. Animal fou. C'est un alpha castor. De la famille des Alpha Taurus Castorus. Qui c'est qui en risque de démence majeure? Mais non, Turquet. Mais non. Oui, je connais cette Day to Die. Je l'ai testé, j'ai pu me le faire prêter sur, sur PS4, donc je l'ai testé sur PS4. Puis j'ai pas trop kiffé. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts quand même dans le jeu. Enfin, voilà. Surtout visuel, je trouvais ça très moche. Après bon, comme je pense que sur comme ah putain, Renuk qui fait n'importe quoi. Je pense qu'après il doit avoir un mode visuel, hein, mais je l'ai trouvé tellement moche. Von Shield, priorise le plan, s'il te plaît, Julie. On peut pas continuer comme ça. Hein? Maintenant, on désinstalle Funshield. Voilà. Hop là, maintenant. Équipement. Lee Medicals. Voilà. Putain, je suis pas assez. Drug Lab. Ok, Célina. Merde. Je croyais que c'était. Quand même. Médecine. Hop là. On est comment? 6. Alors, réinstaller ici, réinstaller ici. Ah. Alors, Célina. On va commencer avec eux d'abord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? On va leur acheter leur stock de neutramine et de composants pour être tranquille.
Pour contrebalancer, je vais leur vendre un petit peu de plastacier. C'est beaucoup trop. Bon, on va voir s'il y a d'autres choses à acheter. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Putain, j'ai trois jambes bioniques. Ah, un œil bionique. Je vais leur acheter parce que je crois que j'ai quelqu'un qui a perdu un œil. Prothèse de bras, non, on s'en fout. Médiocre, horrible, normal. Tabouret, ça s'en sent pas les coups. Coucou, loulou, coucou. On s'en bat les coucou, coucou. Stash, stash. Bah, j'aime bien ça, moi. Bim. Donc, comme ça, j'ai un œil bionique. Et Célina. Célina, tu vas parler avec lui. Bim. Il a deux per trois personnes à vendre. Ok. Ça, je vais le vendre. Alors, info. Ah, il est pas capable de faire grand-chose, hein. Kramer. Travail ménager, diplôme. Ah non, une autre pyromane, t'es fou. T'es fou! Borba. Digger. Aptitude. Travail ménager, masochiste, optimiste. Frêle, qu'est-ce qui lui arrive? Putain. Bon, il me fait chier un peu, mais bon. Je serais peut-être tenté de l'acheter lui, il est bon en cuisine et minage. Bon allez, bim. Borba. Travail Borba. À fond en mine quand il y a besoin. En cuisine aussi. En dressage aussi. Allez go. J'adore Icebreaker. T'as posé une question, t'es parti, je crois. Maladie, infection. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est infecté? Riluc. Qu'est-ce qui lui arrive? Liaz, viens soigner en priorité, s'il te plaît. Parfait. Non, 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 Riluc, reste. Voilà. Reste en guérison totale. Mais qu'est-ce qu'il fout, Borba? Il allait dormir dans le frigo? Mais c'est quoi ce bordel, putain de merde? Il est allé dormir dans le frigo. Pourquoi? J'ai plus de chambre? Turc. Ah non, j'ai pas de chambre. Bon, effectivement, je peux comprendre, j'ai pas de chambre pour lui. Mais quand même! Dans le frigo! Frigo! Ah putain de merde. Est-ce que j'ai un lit? Hop là, installé.
par bas. Et c'est ton lit. Hop là. Prioriser à bord bas, bord bas, bord bas, bord bas, bord bas, bord bas. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait, Liaz? Non, non. Liaz, la bouffe, c'est plus du principal. Il y a trop de personnes qui peuvent en faire. Toi, on priorise la drogue. La drogue. One shield. Bim! Direct! On va faire le lit. Et Anatoly qui est en train de créer le vaisseau. Qui c'est qui fait les recherches d'ailleurs? Hop là. Alors, loisir. 2 heures en matin. Travail. Bim. Bim. Se passe. Bah, ça se passe bien. Ça se passe, oui. Qui en sont pas les trucs. Les trucs. Travail. Ah, Anatoly, fais le ménage. Allez, Anatoly, j'ai confiance en toi. Presque que je fasse le frigo ici. Parce que là, aller chercher tout là-bas à chaque fois. Ou que je fasse la bouffe là et que je mette un frigo là. Eh, c'est peut-être ce que je vais faire en fait. Exotique Good Trader. Célina. Allez. Debout. On va travailler. Va trader. Ah, ça va être cher. Un rein fois. Putain, un œil bionique. Ah, il est resté dehors. Ah, il est resté. Du coup, il est abîmé, fait chier. Un rein, un foie. Horrible supérieur, bâclé, mais on s'en fout. Médiocre supérieur. Moins 1000. Bim. Hop là.
Alors, qui c'est qui avait un œil crevé? Œil droit coupé, turqué. Turqué, turqué. Alors, opération, donc, œil droit. Œil droit, installation d'un œil bionique. Œil droit. Turquie. Hop là. Liaise. Vague de froid, ok. Alors, Turquie. Se reposer. C'est ça. Santé. Ouais. Hop là, Célina, priorité opérée. Et là maintenant, on va sauvegarder. Allez. Crise de démence. Oh putain, mais... Abattez-le. J'exagère. Oh putain, en plus il tape liaise, quoi. Elle va attaquer. Icebreak. Attaquer. Alvin, il lui a mis une balle. Merde. Liaz. Secourir. Oh putain. Bon, ça va, rien d'exceptionnellement grave. Hop là. Hop là. Et Rinuc. Voilà. Allez, go. Ah ouais, c'est bon. Œil bionique. Turquet. C'est un putain de cyborg! En quel site structure? Quel site? Voilà. Porte en quel site? Sol en stérile. Voilà. Avec. Ardois, j'ai plus. Crise de démence se goinfre. Oh putain. Mais. Je. Arrêtez les gars! Putain de merde! Bois. Bois, bois, bois. Bon, il fait exprès, putain. Bon, ça va, il est complètement soigné. Build copie. Voilà. Liaz. Liaz, par contre, tu fais quoi? Tu priorises ça, s'il te plaît, pour l'instant. Ah oui, là il fait trop froid. De toute façon, j'ai 3 tonnes de bouffe.
réinstalle ici. On réinstalle ici. Et on build copy ici. Voilà. On désinstalle. Il faudra qu'on fasse un nouveau lit. Bah, re-icebreaker. C'est d'arriver à 10 de médicaments. Pour pouvoir faire le quatrième lit médical. Et c'est bon ça. Faire de la bière là. Et je vais peut-être pouvoir aussi mettre des télés là. Loisirs. 8 composants. Ouais, bim. Bim. Et bim. 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 Et voilà. Voilà, j'ai mis... Ton PC a crash. LOL. Je croyais que t'étais là, faut savoir. Alors. Équipement. Lit médical. Bim. Trop la classe, ils vont tous avoir la télé dans leur chambre. Enfin, va falloir que j'agrandisse. Que je casse là et que je fasse... Chut. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai en bloc? En bloc de marbre surtout. Structure. Bloc de marbre. Hop là. Hop là. Alors, on a dit, si on fait le même principe, là c'est la porte, donc 1, 2, là c'est la porte. Bim, non. Allez, je tire les plans et après on arrêtera là. Hop là. 2. La porte de le mur. Maintenant, si on doit tourner. J'ai fait comment? Oui. J'ai fait comme ça, comme ça. Et 1, 2, donc.
C'était quoi? Sur un mur de 5, oui. Un mur de 5. 1, 2, un mur de 5. Hop là. Ça fait comme ça, comme ça. Et comme ça. Un red screen. Je savais pas qu'il existait d'autres choses. Je connaissais pas les red screen. Alors, bim, 1, 2, 1, 2, bim, bim. Alors, si je fais ça, ça, un, hop là, hop, et bim, voilà. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colons de plus. X et X. Bon, bah il va pas tarder à être minuit. Donc du coup, ça veut dire que je vais pas tarder à vous laisser. Je baille. Donc ça veut dire que vraiment, va falloir que je m'arrête. Combien j'ai de médicaments? 12. Donc là, ça veut dire que Von Schill, techniquement, est capable de construire ça. Bim. Ouais, bien sûr. Allez, bonne nuit à Tran. De toute façon, comme je t'ai dit, moi je vais bientôt m'arrêter aussi. Je crois que c'est la plus grande base que j'ai jamais fait en fait. Ouais, ben, et à jeudi, hein, si t'es motivé, peut-être que je commencerai Factorio. Je sais pas encore. Je vais peut-être faire aussi une petite vidéo annonce de toute façon où je la fais jeudi pour lundi prochain et je la diffuse le samedi ou le dimanche, peut-être, je sais pas. Mais effectivement, c'est possible que je me fasse du Factorio. Ouais, bah c'est cool. Bah allez, bonne nuit. Bah de toute façon, je vais en profiter. J'ai tiré les plans. Tout le monde dort. Je vais save. Voilà. Allez, bonne nuit. Bah, de toute façon, je vous dis bonne nuit. Je, comme d'hab, vous souhaite un bon tout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, prochain live prochainement. N'hésitez pas à passer sur Facebook, Twitter, la chaîne YouTube pour ceux qui y sont pas. Allez, qui regarderaient la rediff du live. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas assez de gens qui passent encore sur. Sur ma chaîne. C'est beaucoup trop long. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu partout où je suis. Et puis, à la prochaine pour un prochain live prochainement. Allez, ciao tout le monde!